Charlie, où es-tu? Je suis chez la femme qui nous a pris en otage. Et elle t'a pas fait de mal? Non, elle me prend pour son fils. Ok, très bien, il faut absolument que tu restes calme et que tu ne fasses rien qui te mette en danger. Elle arrive. Charlie? It was true, no one could see her. Winter Haven coming into view. She says she's seen the land beyond. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, mais viens ici, dépêche-toi. Non, mais c'est pas vrai, ça. Allez! Tu croyais aller comme ça, tu voulais t'enfuir, sale gosse? Je t'ai traité comme mon fils. Mais pas, tiens, c'est moi ton fils. Attends, dégage de ma tête. Tu es mort, je ne devrais pas te voir. Charlie n'est pas mort, il ne pourra jamais me remplacer. Peut-être, mais contrairement à toi, il est vivant, tu n'es pas réel. Je le saurais si tu ne m'avais pas tué. Tout est ta faute. Tu nous as rendus fous. Ce n'était pas une raison. La ferme. Ne tente plus rien, sinon tu en subiras les conséquences. Oui, allô? Oui, madame la mère, c'est Jack. J'ai besoin de votre aide. Je sais, mais on n'a pas le choix. Si on fait rien, on ne va pas le retrouver. Très bien, alors il faut agir vite. Mm. J'étais une ancienne détective privée et après avoir été un dangereux serial killer, j'ai été engagée par la police. J'ai gardé un programme de traçage. Si vous restez une minute au téléphone avec Madame Miller, on pourra savoir où elle est. Est-ce que c'est fiable? Très. Mais comme je te l'ai dit, si Miller comprend tout, ça va chauffer. T'es prêt à prendre le risque? Et toi? T'es prête à prier? Il ne t'aimera jamais! Il voudra toujours s'enfuir! Tais-toi! Oui, allô, c'est Jack. Comment avez-vous eu mon numéro? La réponse ne devrait pas vous satisfaire. Mais attendez de vous joindre, c'est ça? L'ennui, c'est qu'il ne sait pas où il est. Vous avez raison, mais écoutez-moi, madame. Je suis le seul responsable de ce qui se passe. Il n'a pas à payer pour nos erreurs. Dites-moi tout ce que vous voulez,
et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous l'obteniez. J'ai déjà ce que je veux. J'ai un nouveau fils. Arrêtez, vous allez fuir toute votre vie. Ça ne sert à rien. Il est à moi. Vous ne le récupérez jamais. Jamais. Et de toute façon, c'est plus la peine de me rappeler. Je ne vous répondrai pas. Madame Miller. Madame Miller. Vous l'avez eu? T'as réussi à joindre ton nom, sache que t'as fait une belle heure, mon fils. Vous pouvez rouler moins vite, là? On n'a pas le temps. Ouais, mais si on a un accident de voiture et qu'on meurt, ça va servir à rien, là. Hein. Alors arrêtez d'appuyer sur champignon. Où est Charlie? Je vous avais bien dit que vous ne le reverriez jamais.